Donc voilà, donc hein, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui est rouge, donc ils mettent Incoming Message, de toute façon ils mettent de la lumière pour justement qu'on les qu'on capte plus facilement, enfin qu'on les cerne plus facilement en tout cas. Capitaine Keyes. Donc par contre passer aucune cinématique. Ravi de vous voir, adjudant. Les choses tournent mal. Cortana a fait de son mieux, mais c'était perdu d'avance. Une douzaine de cuirassés des Covenants contre un seul croiseur de classe Alcyon. Vu la situation, je suis contente avec trois. En fait, quatre cibles abattues. Bien dormi? Oui, mais elle est beaucoup plus belle avec les cheveux. Donc même si j'aime bien le côté nostalgie, qui d'ailleurs est très bien retrouvé, franchement, ça doit être un de leurs groupes d'abordage, une charge anti-matière, j'imagine. Oui, la combine de tir ne permet pas de les désactiver. Capitaine, le canon était ma dernière option offensive. Là, c'est la Cortana d'Halo 3, celle que je connais. J'applique le protocole Cole, article 2. On abandonne l'automne. Et vous aussi, Cortana. Et pendant ce temps, vous coulez avec le navire? C'est Sarko qui en rêve. D'ailleurs, l'objet qu'on a trouvé, je vais essayer d'y poser l'automne. Sauf votre respect, chef. Cette guerre a déjà tué trop de héros. Il va sortir des blagues. J'apprécie votre intérêt, Cortana. Mais le protocole est clair. La destruction ou la capture d'une intelligence embarquée. La discussion n'est pas là. Ce qui veut dire que vous devez quitter le vaisseau. Et puis, les jeunes de moins de 12 ans qui se disent téléchargez-les dans mon réseau neural et préparez-vous à un jeu transfert. C'est un jeu moins de 16 ans. Donc, si vous n'êtes pas content de ce qu'on dit, vous avez qu'à parler. C'est là que vous intervenez. Le gros bug, il y a le débarquez Cortana du vaisseau. Mettez-la à l'abri de l'ennemi. S'il la capte, ils seront tous sur T'as vu la taille de la main de Joey? On cherche en armement. Tu sais, t'as la grosse épaule et la tout. Je comprends. Et le gros corps. L'automne va continuer ses manœuvres. On dirait une épaule de Marcus dans Gears avec la main d'Anya. Un conseil. Pour ceux qui connaissent juste la fin de Gears 3, quand ils sont côte à côte. Excellent travail, Cortana. Voilà. Vous êtes prête? Ça fait vraiment un changement d'échelle. À la limite, c'est une cuisse de cochon. Un cochon bien engraissé. Ouais, ah non, mais je te jure, Marcus dans Gears, il a vraiment des bras de ouf, hein, franchement. Mais j'aime bien ta comparaison. Ouais, t'as vu, c'est. Non, mais c'est vraiment. Il me semble que la disquette est un peu grosse par rapport à loin. Votre architecture n'est pas si différente de celle de l'automne. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il n'est pas chargé. Ouais. À vous de trouver des munitions en chemin. Bâtard. Il n'est pas chargé. Il n'est pas chargé quoi? Qu'est-ce qui n'est pas chargé? Quel pistolet? On n'a pas de pistolet sur nous. Si, mais il n'y a pas de munitions alors ça sert à rien de sortir. Ah, d'accord. Ouais, c'est. Mais là, j'ai jamais compris. On sort des munitions, je ne sais pas où. Attends, juste on regarde un petit peu au sol, il n'y avait rien. Au plafond. Ça brûle! À moi le plus. Les marines ont besoin d'aide, chef. Alors, il y a les mêmes respawns que dans Halo 3. Hein. C'est-à-dire, il y en a un qui meurt, ça va. Bah, t'as tout fait dans les Halo. Ouais, non, c'est parce que dans Halo 3, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Oula, go! Doucement! Oh putain, je l'ai en caméra là. Bien joué, les gars! Oui, pour info, il y a des grenades à plasma. Stop! Je suis touché! Les changements d'armes avec les marines. Non, loin. Je fais quelques petites fois back, hein, pour vous voyez vraiment l'ambiance. Là, c'est une fois que c'est 2001. Ouais, non, mais il meurt plein de fois, Johnson, dans le jeu. Alors, comme vous pouvez le voir, des vieux élites mineurs remasterisés. Ils sont putain de dangereux quand même pour les bordels. Ouais. Quand même, vous pouvez voir la très belle nuance qu'il y a entre les deux. Ah, tu l'as buté. Non, je l'ai pas buté, il s'enfuit. Quoi que t'approches trop, il s'enfuit. C'est ce que j'avais dit. C'est comme ça qu'on tape. Ah, ça fait du bien de se soigner. J'ai pris toutes les munitions. C'est pas grave. Oh non, il va pas me faire squatter, lui. Non, mais... Ça veut rien dire, faire squatter, enfin... Ah, juste un truc, hein. Un problème, en fait, c'est que... pas tout à l'heure. Hier, c'est qu'il y a énormément de téléportations. Bah, ça devient dérangeant.
Parce que hier soir, on a quand même galéré avec Cédric. Dieu merci, galéré, c'est bon. Attends. Vous ne pouvez pas l'échapper. C'est comme ça qu'on fait. Un dans chaque d'abordage. C'est un spirit ça. Non mais une affaire d'abordage. Ouais parce que on aurait dit un spirit bizarre. Un spirit a un compartiment qui sort que par un seul côté. Non les deux. Alors, on met la lumière. Alors, ce qui est bête, c'est qu'il n'y a pas ramassé les épées, Par contre, toi, tu as dit que c'était clair. Évidemment, faire des sauts comme dans. Équipage et personnel opérationnel des ponts 1 à 4, joignez immédiatement les postes d'évacuation. Je pense qu'ils ont quand même un petit peu touché à certains trucs pour que ce soit beaucoup plus simple. Waouh, le voilà. Juste pour ceux qui ont vu vite fait, vous faites un petit replay quelques secondes avant. L'élite qui est là, l'élite qui est là en fait, j'avais balancé les deux grenades à plasma, il a jarté de là à là-bas. T'as toujours été dans un. Alors par contre, je sais pas s'il y avait dans la loi. Vous aurez tous C'est normal, il n'y a pas de. Ils n'avaient pas prévu. C'est vrai parce qu'en général, quand on zoom, par exemple, avec un sniper, c'est quand même une lunette qu'on zoom. Bah oui, mais t'as une lunette d'or. À part si tu vas manger une glace au choc, là t'auras lunettes et magnum. C'était pourri ma blague, mais bon. Ouais. Attends, t'as vos résurrections, trop d'ennemis dans les environs. Équipage et personnel opérationnel des ponts 9 à 12. On dans le tas, je vais faire du bouclier. Je te jure, les deux seules armes qui me balancent, c'est un pistolet à plasma. Let's go! On a des overshields si on veut là, Ren. Je sais, mais tout d'abord, je suis très quand même. Oh, je suis mort. J'avais plus une barre de vie. Mon magnum, chéri. Ça fait du bien de récupérer sa bridge. Pas comme dans Halloween. Rejoignez les postes d'évacuation. Il lance quand même la grenade correctement.
moi je vais dans le tas. Hein. Ouais, vous pouvez le voir, les élites sont complètement faibles, même en légendaire. Hein. Non, ils sont quand même malins. Si, par contre, tu m'as donné un gros coup de poing et ça, je te le pardonnerai pas. Pourquoi? Enfin. Alors oui, par contre, c'est très labyrinthique et j'ai... Et j'ai vraiment un très mauvais sens de l'orientation dans la loi. Oui. Là-bas. Ah, c'est pour ça en fait d'avoir oh putain, c'est vrai, c'est vrai qu'il m'avait dit si c'était. C'est vrai que le niveau maintenant dur en potage. Cours. Ah voilà, il est bon. Prends ça. Rappelez-vous. Combattant Alpha à 20h. Rejoignez les postes d'évacuation les plus proches. Bonheur. Je te rappelle, t'es tout seul. C'est tout ce que tu sais faire. Ouais, non mais là on dirait plutôt que t'essaies de chier comme ça. Non, pas de blague. Merci. Alors franchement, c'est vraiment pas utile leur système là de respawn sans armes. Ouais, mais peut-être en fait ça fait respawn avec des armes qui partent du... Ah oui. Tu vois, il y a des armes en bas, au lieu d'aller quelques en haut. Ouais, mais bon, moi c'est bien que le suicidaire, c'est mon nom. Suicideur, c'est ma profession. Ah oui, un truc en légendaire. Oh bah. Mon dieu. Vêtements. Ouais. Oui, un truc en légendaire, bah ouais. Tu vois un truc en légendaire avec moi, c'est tu meurs. Pistolet à plasma, pistolet. Je l'ai perdu. Oui, je sais, je suis introuvable, je suis trop fort. Bouge. Ouais, j'ai le pistolet à plasma si tu veux. Ah, et j'ai aussi plus de vie. Ouais, mais bon. Combattant Sierra à Victor, préparez-vous à évacuer. Ouais, t'as complètement raté. Oh, comment t'as eu des grenades frappées? Bah, je sais pas, il y en avait par terre. Comment tu peux dire que tu te débrouilles mieux, tu l'as eu aujourd'hui le jeu. Ah oui, c'est vrai que à l'eau j'ai joué pendant du temps. Non mais je te parle du normal. Oh joli. Ah ouais, non mais moi quand je stack, je stack. Ouais. Oh mon dieu. Alors là, vous venez de voir où se trouvait quand même cette unité. Caché à côté de la poubelle. Ouais, non mais caché au milieu de la poubelle. Poubelle humaine. D'éjection. Attends, j'ai raté ma balle. T'as raté ta balle. T'es pas au tennis non plus. À tous les combattants. Oh, j'ai plus des gros. Décrochez sur les positions défensives tertiaires. Ouais, je suis très doué à la grenade à passe. Dans l'eau, en tout cas. Dans tes gueules. Je crois qu'a priori, il est mort. Attends, ici, n'avance pas, je connais un truc qui va battre. Normalement, il y en a un. Oh! Et voilà.
un truc que je connais. C'était moche, j'ai pas vu, mais a priori, si je suis intelligent, tu as visé le petit truc et c'est tombé sur sa tête, c'est ça?